Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Responsabilité de chaque monde, en commençant par moi-même, fini sous n'importe quel autre employé, c'est travailler ensemble pour nous côté pour aller et pour nous relever. Mais avant que m'élaborer sur qui ça que nous gagnons pour me faire, nous allons me préciser deux bagages que je pense qu'important que grand pile l'information qui sorti comme si Cap dit. Qui fait nous comprendre que EDH va disparaître, EDH va vendre à monde, etc. Il n'en est pas question, il n'est pas jamais question de privatiser EDH. C'est pas privatiser, nous venons privatiser EDH. Nous venons faire un bagage que nous, tout dans la tête, nous, dans le cœur, nous, dans la famille, nous, madame, nous, mari, nous, a dit nous tout le temps. Qui ça pour nous faire, pour nous fier, nous-mêmes, qui vient travailler là pour nous fier, pour nous dire d'appartenir au compagnie. Nous toujours dit, dans le pays, ça, son seule institution dans le pays, malheureusement, les gens qui travaillent là-dedans, ils ont calé quoi, ils sont contents, ils mettent l'uniforme, ils mettent le logo compagnie, c'est Banque Centrale. Ils disent, je travaille dans la Banque Centrale, je suis un cadre de la Banque Centrale. Pas aucune raison que nous ne pouvons pas dire la même bagaille. Ça. Et nous suivons pile le monde qui est là, parents, nous sommes là avant nous. Et à un moment donné, vous êtes fier de vous appartenir à EDH. En fait, le mandat, c'est simplement ça. Qui ça pour nous faire, pour nous redresser, compagnie ça, pour que nous tous fiers la donne, parce que nous tous les contribuer à aider faire. Moi-même, quelle que soit la capacité de gagner, je ne peux pas faire sans c'est pas nous-mêmes qui là. Et pour nous faire, il mandé plusieurs bagages. Premier bagage, il faut nous connaître son compagnie comme nous remèlent, nous prêts pour travailler pour compagnie. Parce que là, nous travaillons pour compagnie, nous travaillons pour tête nous. Et si nous travaillons pour tête nous, nous tuons compagnie. Principe ça, il faut nous comprendre. Tout le monde qui travaille dans compagnie pense que c'est tête par eux, ouais seulement. Et mes compagnies pour mourir. C'est compagnie pour vivre, pour que nous-mêmes nous continuions à vivre de compagnie. Donc, je pense que. Donc, ça a demandé une autre culture. Et je garantis, nous, ce n'est pas difficile. Et nous sommes contents. Et la décision qu'on prend pour changer l'image, compagnie, pour que l'homme nous aide dans la rue, pour dire, mon EDHA, qui ne fait pas de courant. Je ne pas ceci, je ne cela. Il faut dire, même mon EDHA, il a passé. Si je un problème, comment relayer, il résout le problème. Et c'est ça qui est important. Et si nous adressons ces questions comme ça, et les éléments de changement que nous allons mettre pour changer l'image, la perception, ça, pour nous l'autre culture, puisque en principe, nous ne sommes pas fonctionnaires publics, nous ne sommes pas administration publique. Quand tout le monde doit aller, le chita, le chèque, l'île, ceci, cela. Malheureusement, nous sommes entreprises commerciales. Si nous ne sommes pas des services, pas bien comme pour payer nous. Jodhia, nous avons un dilemme. Et c'est ça qu'on a amené dans le deuxième bagage, je voulais dire. Nous avons un dilemme, comment trouver qu'on a une entreprise commerciale, tout le monde levé quitter la caillou
yo vin là ça on m'a dit ou fait le temps soit peu gien des leur pas gien condition pour faire mais yo là quand même et puis yo gon 15aine 2 15aine 3 15aine 4 15aine yo pas touché. M'pas penser que c'est ça ne vient faire. Parce que si c'est ça ne devine faire, m'garantis m'pas d'accepter. M'pas venir là pour gloire pam etc. Pas qu'un kin gloire là dedans. M'fait tout ça m'dégage pour payer déjà. Moun ka d'accord ou pas d'accord. L'homme gon mandat m'exécuter. Moi comme moi dit non madame gagner, m'pas gagner mandat pour privatiser EDH et m'fon pile bail dans pays là, c'est pas privatisation. Et yo très important pour pays là. Moun pa jamais parler. Le coup mourir tout le monde a parlé de ça. Mais jodi am vivant, yo préférer dire autre chose, OK? Mais on concentre nous sur ça n'a faire. Donc si pour nous changer culture là, n'a changer culture ensemble. Même gens moun capable non compagnie privée mandé pour ouais. Moun y a mandé moun, est-ce que satisfait? Qui problème ou gagner? Il a répondu, nous ka faire ça tout. Ça son premier bagage. S'il change culture là. Maintenant, faut nous gagner des éléments de gestion qui permettent nous prendre décision au mieux, nous pas souffrir nous-mêmes. Quel que soit département hier. Nèg réseau yo. Si réseau a bon mettre produit électricité, c'est gaspiller. La preuve nous connait aujourd'hui hein. Nous gagne peu de courant à produit, nous va même capoter le bas client. Pour qui ça? Parce que un bon circuit en panne. Quel que soit raison qui fait en panne, c'est pas de ça n'a pas parler aujourd'hui hein. Mais yo en panne malheureusement. Et en pile moun là, ta remè al fait job yo, al réparé yo pour que client gagne service et que nous commandel en retour paye nous si ça que le consommer pour nous mêmes nous capable payer employé un pour nous faire moteur marché pour nous faire entretien là-dedans bail pièces de rechange etc. Nous pas qu'à faire nous obligé à demander charité toute la sainte journée nous pas quoi culture ça la durée si nous continue là-dedans et des chapes disparaître on nous pas pas tête nous mentir nous mettre remel gens nous remel maman nous remel papa nous si le malade nous pas qu'à traiter la mourir. Faut nous mettre ça dans tête nous pas quitter monde qui parler qui dit un bon bagage qui pas dans aucun sens. Si nous pas prend jodi a décider pour nous prendre EDH là pour nous dire mais ça n'a pas avec et que leur parler de Digicel dans télécommunication dans Nacom etc. monde ça pas dit nous rien parce que entreprise pas nous en performe d'ailleurs il pas vivre sans nous jodi il y a font bonne bagage sans nous qui coûte un paquet d'argent mais le jour nous performant il y a pas ligne yo là demander nous service et c'est ça pour nous faire ça c'est vrai. Troisième élément dans ça nous gain pour nous faire c'est attaquer question capacité propre par nous pour nous pas dépendre tout temps de monde qui va voyer un petit courant sur réseau nous et puis pour nous le vendre. Ça est capable la donner tout parce que son gros pays nous gain son seul compagnie. Nous pas aucun problème que monde gain des capacités, yo développer et puis à vendre EDH. Mais à vendre dans les conditions favorables pour EDH. Il a vendre des conditions qui favorables pour l'état haïtien, pour trésor public haïtien parce que pendant n'a coulé hein, trésor public haïtien a coulé tout. Parce que nous connais ça très bien. Tout corps que nous devons, c'est le réseau public qui l'a fait. Ça veut dire que nous ne faisons pas l'école. Nous ne faisons pas un petit centre de santé. L'hôpital général, là, depuis 2012-2013, il a construit, il n'a pas fini. Parce que il y a un petit corps pour bailler, il n'a pas bailler. Parce que là, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de courant, il faut acheter gaz. Nous faisons ce ordre 445 000 gallons de diesel. Mais ça a crédit. Qui faut avoir une énergie, ça, là. Donc, il faut nous poser problème. Qui capacité nous gagne? Jodi a nous gagne des capacités. Là nous garder toute centrale que nous gagne, nous capable faire pour compte pas nous. Si tout bagaille marché 181 MW, mais nous capable faire un paquet de différence avec ça. Tout le monde a besoin de courant, yo capable joindre 24 sur 24. Immédiatement, mais a besoin ni. Donc faut nous concentrer nous sur ça qui est important pour nous qui fait de nous entreprise. Deuxièmement, faut nous concentrer nous sur réseau A. Si nous ne réhabilitons pas les réseaux, nous ne produisons pas du courant, nous ne produisons pas du courant, nous gaspillons. Parce que nous ne pouvons pas arriver à la. Troisièmement et cinquièmement, direction commerciale, là, c'est qui ça lié. Donc nous mettons tout ça, nous dit là, si nous n'avons pas une direction commerciale, qui une structure commerciale sérieuse, compétente, mais une entreprise, pas l'État, non? Nous ne pouvons jamais récolter rien. Nous connaissons des difficultés de gagner pour nous faire recouvrement. Vous comprenez ça? Mais il faut que nous. Ingénieux, faut nous imaginatif, faut nous ouais dans les pays tant qu'on nous y a comme on résout le problème et on résout les. Il pas normal pour nous produire et puis nous ramasser 30%, 40% de ça nous vendre. Il pas rien sens. Donc mais ce que ça me va le travail avec nous et
quel est l'objectif final en réalité? Là, nous venons faire tout ça. Pour qui ça nous fait? Nous faisons pour nous avoir stabilité dans notre travail, nous, pour nous traiter nous bien, pour nous meilleurs salaires, et que tout le monde ait de matériel pour le travail. Mais en réalité, bah, la plus grosse, plus importante. Grand pile effort que le gouvernement actuel est en train de faire dans le secteur énergie. Là, au final, qui est-ce qui va le prendre en main? Pour qui est-ce? Parce que nous avons parlé de privatisation. Si nous ne mettons pas dans une position, investissement, ça va faire là. Il faut que le monde gère. Est-ce que nous comprenons? Donc, si nous y est, nous mettons nous dans une condition, nous travaillons ensemble pour nous redresser compagnie. Encore une fois, redresser compagnie. Ballon meilleure structure. Faire que tout le monde est responsable et que les biens de la compagnie sont utilisés pour la compagnie. Uniquement pour la compagnie. Commencez sur moi, finissez sur tout le monde. Eh bien, le qu'on y est, président Jovenel Moïse, qui était mandaté, ou l'autre monde vient, ou bien avant même, et puis nous avons une série de capacités à nous installer, nous avons fait réseau avec Taïwan, nous avons fait une série de bagailles, qui est-ce qui va le gérer? C'est nous pour gérer. Financièrement, administrativement, techniquement, c'est nous. C'est nous jeunes. Il y a des gens qui ont pris face moi là aujourd'hui, dans 3-4 ans, on a un directeur général, ou directeur commercial, ou directeur ceci, ça dépend de rien. Donc pour ça, l'autre sous-élément qui est important, c'est la formation. Bravo! Sans formation, on va traiter mon mieux de tous les noms. Parce que technologie à bas. Toute équipe qu'on y a là, c'est des high-tech. Donc, même si Néglaté est bon, mais si nous ne mettons pas dans la position pour nous former, pour nous habituer avec Baïsao, il n'y a pas qu'à faire. Ce n'est pas que le pavlé. La tâtonne, mais le pas qu'on aime. Donc, il faut nous avoir un plan de formation. C'est dans tout secteur, ce n'est pas seulement pour les ingénieurs à l'étranger à l'apprendre. Il faut nous voir les gens qui sont administration, les gens qui sont ressources humaines, les gens qui sont commerciales. Pour que tout le monde à niveau et qu'il y ait parlé de même bagage et des compétences à parler de lui. Moi-même, écoutez, toute critique qu'on fait de moi, c'est peut-être ça que je dis là. Tout côté me passer, c'est exactement comme ça. Donc, tout le monde qui est dans le bateau avec moi, dans ce sens-là, qu'on va y aussi pour lui. Parce qu'on vient le matin, on voit l'après-midi. Parce que c'est ça lié. On vient de travailler, on vient de travailler, on aller. Mais il faut nous voir une ressource compagnie, ça lié aujourd'hui. Qui va nous mener dans 3 mois, dans 6 mois, qui va nous mener dans 1 an. Et là, nous, le résultat, on n'a pas mesure pour nous dire, DG, bah, yo, du, nous faisons tout sacrifice, ça. Est-ce que, aujourd'hui, nous voulons faire un petit chita pour nous garder comment nous pouvons améliorer les conditions par nous? Mais nous ne pouvons pas améliorer le cidre comme ça. Et nous prenons engagement devant nous, solennellement. Si ça me dit, nous faisons, et je suis ouvert aux idées. Il y a des gens qui ont une meilleure idée que moi-même. En chita, on fait idée arriver, on va analyser, on prend décision. Mais chaque monde fait travail par eux. Je n'ai pas de problème avec le syndicat. Le syndicat, je me répète, parce que l'important pour que tout le monde connaisse, c'est un groupe organisé des employés d'une entreprise, quel que soit sa lié. Et d'un côté, le syndicat fonctionne, j'aime dire là, et l'entreprise, elle a éclaté, tellement elle a performé bien. Parce que le syndicat va assurer que tout le monde est fait ça bien pour le faire. Yo. Et puis en même temps, la regarder, puisque tout le monde fait ça pour le faire, compagnie améliorer, et bien moi-même, je vais demander nous pour améliorer les conditions, je vais. C'est simplement ça, il pas politique, il n'y a pas ceci, il n'y a pas rien. Lorsqu'on fait ça, ou bien respect, mon temps d'eau, ou venir sur votre table, ou parler, etc. Mais dans la violence, je balade. Il tout dit, on est ça. Je ne pas faire violence aux personnes, je ne vais pas faire monde fait violence. Parce que je ne pas faire ça. Même si on travaille, je fais, ma fais. Si on a fait violence, ça veut dire qu'on va dans le bise. Ou bien doit exprimer tout ce qu'on veut. Ou bien dire mon dialogue, je suis en parler avant. On a un problème ensemble, on a une solution. Ou bien doit c'est où qu'il y a raison, c'est moi qui ai tort. Je suis en train et je suis c'est où qu'il y a raison. Mais si c'est dans la violence ou fait, il faut que là ou pas là. Il faut que clair sur ça. Parce que ce n'est pas entreprise. Ça? Moi, j'ai rien. Plusieurs casquettes. Mon casquette dirigeant politique, porte-parole secteur démocratique, son casquette politique. Même mon casquette avocat qui est engagé dans la bataille contre la corruption. Et c'est casquette ça qui est dans la tête moi, matin là. Matin,
moi venir devant la presse, c'est pour nous clarifier pour peuple haïtien raison qui fait nous gagner pratiquement 2 mois. C'est dans blackout nous y est dans le pays. Nous avons pratiquement 2 mois nous dans blackout. Tout moteur EDH crasé, central yo crasé. Dans Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, Gonaïve, tout côté. Moteur EDH crasé, pour qui ça? Et c'est dossier ça nous porter pour la population. Parce que moun kap dirige l'État ou pas jamais dit vérité. Jovenel Moïse qui est président, c'est l'homme le plus menteur de ce pays. Il va jamais dire vérité et il ne dira jamais la vérité. La vérité c'est quoi? La vérité c'est que gon compagnie en Haïti y aurait les Prebel Riche Haïti SA. Son compagnie le yot ap fèl qui était supposé travailler dans la question construction. C'est compagnie ça, yo bay contrat pour importer, ça veut dire pour acheter à l'étranger, mazout, diesel, asphalte, pratiquement pour plus passer 6 mois. C'est compagnie ça qui gagne monopole là. Le 10 avril 2020, un bateau de nationalité Iles Marshall, en concession britannique, qui déplacé aux États-Unis, notamment Texas, dans un port, et bateau ça li chargé avec mazout. Bateau a quitté Texas, le port du Texas, le 10 avril 2020. Le 15 avril 2020, bateau ça, qui a nationalité Iles Marshall, qui a un capitaine, cap conduit, cap piloter, y aurait les Lane Pekarencho. Bateau ça arrivé en Haïti le 15 avril 2020. Bateau a quitté le port du Texas le 10 avril 2020 et le 15 avril 2020 bateau ça arrivé en Haïti. Bateau ça a porté mazout. Bateau ça qui tape importé mazout pour compagnie Prebel Riche Haïti SA, c'est lui-même qui baille l'État haïtien, qui baille EDH mazout qui crase tout moteur EDH. Parce que compagnie ça qui a acheté mazout à l'étranger pour venir vendre en Haïti, Jovenel Moïse bal contrat. Compagnie ça pas connaît bien circuit mazout là. C'est pas une compagnie qui était dans question mazout. Son compagnie qui était qu'on a travaillé dans question construction. C'est compagnie ça qui bail vieux mazout qui crasait moteur EDH. Jodi a, il y a plusieurs questions qui sont importantes pour nous poser. Qui est-ce qui est vrai propriétaire compagnie ça? Prebel Riche Haïti SA qui vend l'État haïtien mauvais mazout qui crase moteur EDH. Qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Est-ce que c'est Michel Martelly qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Est-ce que c'est Isaac Champagne qui est le vrai propriétaire de cette compagnie?
Est-ce que c'est Jovenel Moïse qui est le vrai propriétaire de cette compagnie? Qui monde qui met compagnie ça? Yo pas capable dire nos vérités. Fuck BMPAD. Fuck EDH. Fuck l'État haïtien. Au nom de la transparence, dis-nous qui est-ce qui met compagnie ça. Son première question, nous devons connaître, parce que c'est compagnie ça qui vend l'État haïtien au mazout de mauvaise qualité qui crase tout moteur EDH. Mais deuxième question pour nous poser, et faut nous jouer une réponse comme citoyen. Si yon vend l'État haïtien en mauvais mazout qui crase moteur EDH, yo. D'ailleurs, Michel Présumé, directeur EDH, le 28 juillet 2020, il écrit une lettre by directeur BMPAD là, quand elle dit, mazout, nous te voyons by EDH là. Mazout ça a endommagé violemment les moteurs de l'EDH au point de mettre à genoux cette institution. Et qu'on y a nous pour le réparer. Yo. Mais bon question, qui est-ce qui pourra le payer pour réparer moteur EDH que Prébel Riche vend en mauvais mazout et puis qui crase moteur? Yo. Est-ce que c'est avec Corbao comme citoyen? Est-ce que c'est avec l'argent contribuable yo? Yo pourra réparer moteur EDH yo? Ou bien est-ce que c'est compagnie ça y aurait les Prébel Riche SA Haïti qui pral bay l'argent pour réparer moteur EDH que yo crasé parce que yo bay EDH en mauvais mazout? Mais son question fondamentale. Michel Présumé va dire non, nous pral réparer moteur. Nous pral réparer, mais qui est-ce qui va payer pour la réparation? C'est une deuxième question, mais faut nous connaître. Troisième question. Pour qui ça, directeur BMPAD là, il n'a pas posé question hein, devant la justice? Pour qui ça, directeur BMPAD là, il n'a pas posé question devant parquet Port-au-Prince? Pour qui ça, directeur BMPAD là, il n'a pas posé question hein, devant ULCC? Parce que ce n'est pas une plaisanterie. N'a pas parlé de commande de plusieurs dizaines de millions de dollars américains. N'a pas parlé d'une compagnie qui a acheté mazout, qui pas qu'on est côté pour jouer un bon mazout là, qui a acheté un mazout de mauvaise qualité, qui crasait moteur EDH. Alors, c'est comme citoyen yo, comme professeur, comme journaliste payé, comme ouvrier factory payé, comme avocat ingénieur payé, comme malheureux, malheureux, respect l'État, c'est même comme pas nous, on va le prendre pour réparer, pour ranger moteur EDH, que on baille au mauvais mazout qui crase moteur. Deuxième question, ça, l'important, même j'avais troisième question, pour qui ça, directeur BMPAD là, il n'y a pas posé question devant la justice. Directeur EDH là, Michel Présumé, monsieur privatisation. Parce tout côté le passé le crasé, le privatisé, le bail secteur privé. Et ça seulement le fait. Qui démarche lui fait? Pour qui ça au nom des intérêts de l'État? Lui pas voyé en sommation. Bail, monde qui vend l'État, mauvais mazout là, compagnie Prébel Riche, Haïti SA, on va voir en sommation Bali pour dire, eh bien, où vend-on mazout? Le mazout était de mauvaise qualité. Le mazout vendu, fourni à l'EDH a endommagé violemment ses moteurs. Mais combien comme l'a coûté? Nous demandons pour payer pour réparer. Où ça va faire ça? Son quatrième question fondamentale. Cinquième question. Nous devons connaître son question fondamentale. Il faut répondre non. Quel est le rapport entre cette compagnie, Prébel Riche, Haïti SA, et les plus hautes autorités politiques du pays? Mais bon, l'autre détail qui est important, le Kounia, moteur EDH écrasé,
parce que yo balon mauvais mazout. Yo di qu'on y a ces diesel y a utilisé ou pas utilisé mazout là encore. Mon connaît diesel la plus cher que mazout là. Mais y'a pour diesel là dans même compagnie qui vend EDH mauvais mazout qui crase motel là. Quand on nous a dit tout bagage c'est pour compagnie ça pour lier. Qui intérêt qui derrière question ça? Mais bon, l'autre question encore, qui est important pour moi, c'est pour les citoyens, ça a un rapport avec l'actualité. Mon émission qui fait non radio, Radio Scoop FM, quelques heures après l'émission, hein, directeur ULCC écrit PDG Radio, hein, M. Gary Pepol Charles, pour dire voilà, bonne sonore pour moi. Pour, parce que ce dossier ça important. Comment? Dossier mazout là pas important pour ULCC. Dossier mauvais mazout qui crase moteur EDH pas important pour ULCC. Dossier ça pas important pour paquet. Alors dossier plus important sont question de dossier ONA que sénateur la tortue font prêt. Bon moi-même on est qui font prêt, on femme qui font prêt. La seule responsabilité de quelqu'un qui a contracté un prêt d'une institution, c'est de payer ses redevances. Depuis qu'on prête ton l'argent, le payer, ou pas rien pour dire. À moins qu'on a prouvé que mon a utilisé pour voile pour bénéficier d'un traitement de faveur. C'est-à-dire, il bénéficier d'un taux qui est beaucoup plus bas que le taux ordinaire pratiqué dans le domaine. Bon, sénateur la tortue prend comme là, il investit dans la production nationale. Tout investissement dans la production nationale doit être encouragé dans ce pays. Alors, ce que nous devons comprendre comme conclusion, c'est mauvais mazout, première riche Haïti est avant l'État haïtien qui crase moteur EDH, et c'est ça qui fait nous avons plus passé 2 mois nous dans blackout. Mais vérité, autorité ou pas, j'en dis nous. Faut autorité l'État ou dit nous. Faut président, ministre financier, directeur BM pas dit nous. Qui est-ce qui est vrai propriétaire, compagnie Prebel Riche, SA Haïti, qui vend l'État haïtien, mauvais mazout, qui crase moteur EDH. Yo dit c'est pour Michel Martelly. Yo dit c'est pour Jovenel. Yo dit c'est pour Tige Champagne. Je refuse de m'aventurer dans cette voie. Mais je veux savoir la vérité en tant que citoyen. Mais l'autre question, pour qui ça, tout bagay ça au passé, directeur BM Padla, la casse fait couvrir ça, qui était réel gagné, qu'est-ce qu'il a reçu comme avantage? C'est une question de fond, c'est un grand dossier de corruption. Pour qui ça, ULCC, pas lancé une enquête sur dossier ça? Alors, je tenais à dire la vérité au peuple haïtien. Je dis à tout le monde comprendre que si un mauvais mazout qui crase moteur EDH, la côté le sorti, c'est pas dans le ciel le sorti, c'est gros l'argent qui a fait. Mais je dis à Napton, on série d'explications dans main l'État haïtien. Évidemment, nous tous nous reconnaissons. Dans le marché question gaz, question pétrole en Haïti, il y a un gros désordre. Il faut une restructuration qui fait dans le marché ça. Mais, ça qui a passé là, c'est inacceptable. On est vendu l'État haïtien, un mauvais produit, qui crase le moteur EDH, qui fait nous faire plus passer 2 mois dans le blackout, jusqu'à présent, on ne peut jamais dire vérité. On ne peut jamais dire vérité. On ne peut pas dire qui est-ce qui met compagnie. On ne peut pas dire qui est-ce qui a payé pour réparer le moteur EDH, que compagnie ça vend mauvais mazout, il a crasé. On ne peut pas dire pour qui ça ULCC. Fermez bouche li, li pa jam mouvon enquête sous question sa yo. Alors, je tenais, au nom de la vérité, à mettre ce dossier sur la table, à mettre ce dossier dans le débat, et qu'on y a ou même comme journaliste, ou gagne un élément en mon, parce que m'bord des faits clairs, on dit que, eh bien, le 10 avril, gagne un bateau qui quitte le port du Texas. Un bateau qui a une nationalité, il est Marshall, qui rentrait en Haïti, qui arrivait le 15 avril. Moi, je dis, c'est bateau ça, qui t'a poté mazout là, pour un compagnon, les plus belles riches.
qu'on y a bon toute information yo ou pral connaît sa bagaille là yé. Et moi espérer dans les heures qui viennent mon bonne information qui pral temps qui pral tomber directeur de M pas pral parler pour dire sa bagaille là yé tout bon. Directeur EDH pral parler, ministère finance pral parler, moun ki vrai mettre compagnie pour belle riche là pral paraître pour nous qui est qui a fait toute l'argent ça yo, parole yo pral parler, le débat est lancé et c'est ça la démocratie. Merci. Nous parler déjà à plusieurs monde au niveau de cour supérieure des comptes et yo te dit nous, yo dit nous que gagnent on t'y passe même. On petit correction qui vous faites dans le rapport là, mais le rapport là pratiquement prêt et que vous-même vous avez publié. Donc, étant donné que vous avez information, on attend, puisque vous-même vous dites son rapport qui finalisé déjà à 95%. Il n'y a pas de date pour cette publication. Il n'y a pas de bail date, mais vous désignez d'un moment à l'autre, vous avez publié et vous avez parlé avec vous pendant le mois de juillet. Quelle est la position de Panama sur la reconstitution de CEP du CEP, du Conseil électoral du territoire? Pas de aucun secteur qui respecte les têtes qui a voué les gens au niveau de CEPA. D'ailleurs, moi entendez, mon abbaye conférence, à nommer nos secteurs dans la question propre. Il y a plein de monde qui est sérieux dans le secteur. Il y a plein de monde qui respecte les têtes. Je ne sais pas que vous allez rentrer dans la question ça. Parce que premièrement, vous connaissez. Pour gagner l'élection, normalement, il faut avoir un conseil électoral permanent. Pas de conseil électoral permanent. Donc, ça qui organise l'élection depuis 1987, son conseil électoral provisoire. Et l'air fait conseil électoral provisoire, ce n'est pas secteur adressé. C'est accord de consensus entre eux, monde qui parle de l'élection. Ça veut dire pouvoir à parti politique là, qui désigne des secteurs pour voir le monde. Donc, je dis à secteur, pas de accord qui désigne eux. Comment mon non-secteur capable d'avouer moun sans pas un accord qui dit que c'est secteur ça qui a voué moun? Dernière fois, nous te oué que yo te voué moun yo, c'était un accord qui était établi entre pouvoir là et institution yo pour monter un conseil électoral provisoire. Et yo te dit, mais qui secteur qui va le représenter dans ce pays? Et à partir de là, yo pouvoir écrit secteur yo pour yo voué moun yo. Président n'a pas aucune autorité. Lancer un conseil électoral provisoire pour l'écrire secteur lui-même, parce que les élections, c'est l'affaire des partis politiques, et que si pas un conseil électoral permanent, si son conseil électoral provisoire, faut que secteur yo joue un aval de partis politiques yo et de exécutif yo. Est-ce que c'est la constitution qui définit comment le conseil électoral provisoire? Non, la constitution est définie en seul conseil électoral provisoire. Ça qui est doué là, pour que yo te fait élection avant le conseil électoral permanent. Cependant, l'elle te fait là, tant ça a désuet, l'illimité, parce que le secteur qui est là, ce n'est pas le secteur ça qui l'a, je dis. Là. Et moi, je pense que nous, constitution, article ça, l'épuisé du fait que le te dit, c'est le seul conseil qui vous a gagné avant le conseil électoral permanent. Est-ce que vous-même, vous êtes président pour 2021 également 7 février, ou sinon, si c'est vous-même? Non, ce n'est pas moi qui dis président pour aller 7 février 2021. Constitution, dans 134.2, il dit que, quel que soit l'heure que le président t'a prêté serment, si ce n'est pas 7 février, quel que soit l'heure que tu as prêté serment, mandat supposé commencer à courir le 7 février de l'année de l'élection, qui était 2016-2021, ça fait 5 ans. On a d'ailleurs participé à nos émissions dans ce groupe, que l'ULCC écrit et ce groupe commandé bonne sonore, la sécurité fédérée des nations concernant ONA. Est-ce que vous touchez les... Écoutez, moi je crois que m'a signé l'ONA, le directeur général, dit devant le tribunal. Moi, je pense que l'avocat n'a rien pour yo. Répondre, aller dans le tribunal et vous-même, si vous avez dit, aller dans le tribunal. Mais moi, assigné l'ONA et directeur là depuis le mois de juin 2020. Et je pense que le dossier en cours, comme dossier dans le tribunal, je ne vais pas parler de ça. Mais ça, moi, assigné justement parce que il y a pile tractation, il y a pile menti qui a fait. Et moi, je pense que, comme son est institutionnel, meilleure façon pour me battre là. C'est en dedans institutionnel, parce que je dis à son seul AMK dit. Moi, révolutionner la production nationale là, dans le pays, moi, venir avec un ferme et que pas de monde qui a fait que je dis à nous pas continuer, parce que le pays, ça,
li besoin production nationale pour nous sortir dans la gargote que nous avons. Et il y a longtemps que la classe moyenne a abandonné la production nationale là, je dis à nous recommencer. Pour toutes les autres questions, moi je pense que comme nous a signé l'ONA et directeur général, lui, parce que justement, il y a une question ça, il y a ma réponse devant le tribunal. Sénateur, nous avons toujours la même question, selon les informations qui nous ont dit que nous n'avons pas mal de décrets sur et nous-mêmes nous entrons dans la question de position nationale avec comme je disais. Écoute, sénateur, la justice est légale, il n'y a jamais fait rien qui va légal. Tout ça m'a fait légal, tout ça m'a fait de respecter la loi, la constitution et les contrats. Les contrats demeurent la loi des partis, je ne vais pas dire plus, puisque moi-même, je dis, nous allons aller devant le tribunal, puisque la question posée est pour nous légal, et pour qu'on ait un droit, eh bien, le correct, ou pas de l'autre côté pour aller, que devant le tribunal. Ok, vous avez une information sur ce moi, je pense que l'avocat m'a donné plus d'informations, mais pour le moment, moi-même, tout le monde est là, moi-même, je suis qui toujours des références, la loi et la constitution. Et pendant ce temps, à côté de la loi de la Constitution, nous sommes une compagnie qui révolutionne les questions de production nationale. Et moi-même, moi pense que, après que la question corona est diminuée, j'ai invité tous les jeunes garçons, toutes les jeunes filles, toutes les universités à visiter le projet ça, qui se ferme la tortue, que nous avons une capacité de 150 000 œufs par jour, et que je dis à nous continuer, et quelle que soit la persécution politique, quel que soit Javier, sénateur la tortue est un homme courageux, il n'a pas trop arrivé dans la bataille. Je dis à nous font pas, n'a continué bataille et n'a continué bataille, surtout pour pays nous cacher. Pour finir l'ordonnance, sénateur, qui est-ce qui a arrêté dans mon quartier? Il y a un monde qui était déjà en prison. Hein? Il y a un monde qui était déjà en prison, c'est Yumi Toussaint. Et il y a côté là, la tour de Jules était en prison, la gueule. Et puis qui est l'autre monde qui est en prison? T-France, c'est T-France ainsi connu. D'accord. Qui est juge d'instruction sur ce dossier? Emmanuel Vertilaire. Sénateur, je vous dis la porte. Il y a une des bêtises qui sont un film qui t'a pas accusé sur ces atouts que tu n'as pas. Smith Demetrius. Est-ce que non, il oui, il la donne. Et juge l'a mandé pour également tout l'aller comme auteur et co-auteur d'assassinat et tentative d'assassinat. Qui voit le déjeuner pour te gaz? Oui, le jeu, c'est que les lits pour te gaz là, ils te mettent dans la chaise là, l'elfine baille gaz là, et puis ils sortent, et dès qu'ils arrivent dans la porte là, ils voient gaz là. C'est une action très planifiée pour te tuer sénateur Latortu, sénateur Jacquito. Heureusement, bon Dieu sauve nous, et si bon Dieu sauve nous, nous continuons la bataille. Ordonnance là, ils sortent, et ils vont garder la date là. Ils sortent. Alors, pas qu'on date exacte que vous mettez là, mais sorti en juillet 2020. J'ai dit, c'est dans moi ça, dans moi juillet. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.